Bonjour tout le monde, c'est The Rocker Jojo, on se retrouve pour le dernier pack opening de NHL 2015. On a ici 9 packs à 8750 et sans perdre un instant, on va partir avec les derniers. Oh palais, ok. Pas un excellent départ. Honnêtement, là, je quick sell tout ce que je peux et je vends le plus que je peux au plus grand prix. Donc, deuxième pack. C'est parti, premier parce qu'on veut notre premier big pool, donc je m'attends pas à grand chose, j'avais des coins, des pots, des coins à dépasser, j'ai décidé donc de les dépasser dans des packs, quelle bonne idée pour rentabiliser mon argent, non c'est pas vraiment, honnêtement, NHL 15 il est mort, il est décédé, on peut juste gaspiller nos coins pour acheter des packs. Et espérer peut-être pogner Ovechkin, Crosby, Stamkos avant la fin. Qui sait? Donc, je donne des contrats quasiment là. On continue, c'est parti. On n'arrête pas. Come on, au moins un big pull, ça serait pas pire. Quelque chose de huge. Eh, hey, crime! Mon dieu! What the fuck? Regardez le contrat, regardez le pack. Un pack seulement de contrats. Ok, donc on continue, come on, open the pack, c'est parti, let's go! Oh my god, pas un joueur rare, Oh, Ron Blad, pas incroyable comme pool, pas incroyable du tout. On envoie tout ça dans l'album, on continue, c'est parti. La date de meilleur pool, c'était quoi, c'était 85, même pas. J'ai pas eu grand pack luck cette année, honnêtement, là. J'étais un peu déçu, à part Bergeron Perry, ça a pas été extrêmement fructueux comme année à NHL, on va se le dire. Mais bon, je peux vous dire que NHL 16, ça va être encore moins fructueux parce que je vais encore moins jouer équipe de rêve. Si je vais vraiment le délaisser, je vais me concentrer sur les autres modes de jeu. Dont BAGM et NHL BA Pro. Come on continue. Il reste combien de packs? 3 packs, ça a été vraiment un pack opening de caca. Et on continue dans la même lignée, oui. Encore rien d'incroyable. On fait juste quick sell. Qu'est-ce que ça peut changer de toute façon? On continue. 2 packs à faire. Ben, en fait 3 parce que je vais acheter un pack à 25 000. Sûrement avec l'argent qui me reste. Come on. Oh, Chris Neal. Et Calva, 7700 pour un duré 15. Mon dieu, c'est la palette, c'est quasiment un pack à 8000 ça. Duration, ils valent plus qu'un Sidney Crosby quasiment. Non, un petit peu d'exagération là-dedans là, mais bon. Donc, on finit les packs 8750 avec de la grosse merde, on peut le dire, de la grosse merde. On va simplement envoyer vers l'album et on va aller acheter un dernier pack. Aller à la boutique, 25 000, c'est parti, ouvrir maintenant, 3 rares, 3 joueurs rares, oh my god, ça tu vends, oh Luke Glendening, non, absolument rien là-dedans, de bien intéressant, donc, sur ce, on va se laisser, j'espère que vous avez apprécié ce pack opening de merde, laissez un commentaire, partagez et aimez la vidéo, pour plus, mais ça va aller probablement à NHL 16. Sur ce, je vous dis bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye. Yeah.